Le tronçon Lambani centre commercial Carrefour Kali est devenu un véritable casse-tête pour ses usagers. Cette route qui longe le quartier est l'une des voies qui permettent d'éviter les embouteillages et bouchons qui sont fréquents sur la corniche nord de Conakry. Des nids de poules sont visibles à plusieurs niveaux. La saison des pluies est venue aggraver la dégradation de cette ruelle. Les conducteurs de moto-taxi du quartier Lambani Centre et leurs passagers sont quotidiennement confrontés au danger de ce trajet important. Mais vous-même, vous voyez, en voyant la route est tellement dégradée. Donc, mais nous sommes là, nous sommes trop souffert. Pour cela, il faut que l'État vienne en aide. Parce que ici, chaque jour, même 1000 véhicules passent ici par jour. Mais quand tu conduis sur ça, là, tu peux même pas conduire ici dans 10 jours, tu vas aller au garage. Les deux ex-présidents de l'Assemblée nationale, Damaro et Kori Kondiano, habitaient au terrain de Sal ici. Il y a même l'ex-premier ministre, Ibrahima Kassori Fofana, il est là. Ex-ministre de l'enseignement supérieur, Yero Baldé, il est tout près d'ici. Ils sont là. Bigop est là. Il y a beaucoup de personnalités de ce pays-là qui habitent à Lamba ici, mais chacun gère de son compte. Sans nous aider, nous sommes là. Il passait par là? Il passait par là tous les jours. Même centre commercial là-bas, si, même s'il y a un petit peu pour lui qui arrive là-bas, même la voiture ne peut pas passer. Il faut qu'il te dévie vers l'essentiel pour aller. C'est une désolation. C'est ça qu'on va dire. Étienne Loi travaille au quartier Lambani. Il pratique régulièrement ce tronçon dégradé. Il dit ressentir la nuit des douleurs physiques provoquées par l'état de délabrement de la route Lambani centre commercial Carrefour Kali. Nous ressentons beaucoup de douleurs, surtout à la fin de la journée, quand nous rentrons à la maison. Avec l'état de la route, il y a des douleurs que nous ressentons, surtout au niveau des articulations. Voilà, le corps, ça devient aussi très chaud. C'est dû à l'état de la route. Parce que quand la route est mauvaise, une fois que nous circulons, ça va entraîner, ça dit, des mouvements, voilà, des perturbations dans le corps. Et cela peut provoquer ces douleurs-là. Le principal problème de ce tronçon est lié au manque de canalisation pour le drainage des eaux de pluie. Mbaye Fall est un couturier qui a son atelier en bordure de cette route. Il a connu récemment des inondations. Ici, on a ce problème-là. Ici, vous-même, vous voyez. Vous voyez l'eau. Regarde la trace de l'eau. Vous voyez. Quand l'eau vient, ça monte jusqu'au niveau des portails. Ça rentre dans les magasins, quoi. Tu vois. Ici, c'est un ami qui est là. Ici, c'est sur moi. Vous voyez. Chaque fois, quand on aménage, ça gâte tout. Ça rentre jusqu'à là-dedans. Vous voyez. Même les voisins aussi, ils ont obligé. Vous voyez là-bas, comme là-bas. Il y a les briques qu'ils ont là-bas. Il y a l'eau qui quitte derrière. Et il n'y a pas passage de l'eau ici. Vous voyez, non? Tout le temps, les gens viennent pour arranger cette route-là. Mais une fois qu'ils finissent d'arranger, c'est le même problème qui va se poser encore. Vous voyez? Vous pouvez dire qu'il n'y a pas de caniveau. Il n'y a pas de caniveau par là. Les caniveaux, quand il y a une pression de l'eau là, l'eau ne va pas passer. La rénovation de cette route soulagerait les usagers et permettrait également de désengorger la circulation au niveau du carrefour Lambani.